Ici à Cox's Bazar, au Bangladesh, les 855 000 réfugiés qui vivent dans les camps sont particulièrement à risque. L'épidémie de Covid-19 crée des nouvelles menaces et de nouveaux risques pour eux. Premièrement, les ressources et les infrastructures sont limitées dans les camps. Cela crée un risque de contamination accrue de la maladie. IOM travaille sans relâche pour s'assurer que les programmes et les activités pour répondre à l'épidémie de Covid-19 sont en place, tant dans les camps que dans les communautés hôtes. Notamment pour la santé, il s'agit de renforcer nos structures existantes de santé ainsi que de créer des infrastructures additionnelles pour le traitement et l'isolement des patients suspects ou confirmés au Covid-19. Dans le futur, les activités essentielles vont augmenter et continuer pour répondre aux besoins changeants de l'épidémie. Notamment, le nombre de lits pour isoler et traiter les patients vont être augmentés. Les programmes d'eau, d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène vont augmenter. Aucune agence ou organisation seule peut répondre à cette crise. Il est important que, tant au niveau global, national ou local, que les agences des Nations Unies, les gouvernements et les ONG, tant nationales qu'internationales, collaborent pour répondre à cette crise sanitaire inédite.